Hello les amis, on se retrouve, je suis dans l'avion, je ne sais même pas si vous allez m'entendre. Je pars pour une destination spéciale, j'ai pas pu vous montrer avant parce qu'évidemment il y avait trop de monde, j'étais trop pressée. Enfin bref, nous sommes à Genève, nous allons embarquer pour une destination. Je vous ai d'ailleurs dit sur les réseaux sociaux de me suivre sur Snapchat, Twitter, enfin tout ce que vous voulez. Donc on se retrouve dans 4 heures et vous découvrirez où je vais. Hello les amis, ça y est, on est arrivé. Ça a été juste interminable parce que on le savait pas, mais il y avait la grève apparemment des contrôleurs aériens à Marseille. Et même si on décollait de Genève, on a été impacté, donc on est parti avec une heure de retard, donc j'en pouvais plus dans l'avion. Mais après 4 heures de vol, nous sommes enfin arrivés. On a posé notre petit pied à terre et la vue est sublime. Je suis genre trop contente. Ne vous fiez pas à cette coupe de cheveux, je sais, elle est totalement pourrie. Mais j'espère que sans ce vent, ça ira beaucoup mieux après. Je suis, je crois, la seule meuf en pull et en jogging, hein, évidemment. Mais on se mettra à l'aise tout à l'heure parce que notre appart hôtel, il n'est pas encore prêt. Et le check-in, il est à 15h. Donc, on va aller faire un tour. Et en attendant, je vous laisse admirer la vue. Je vous fais plein de bisous, comme d'habitude. Déjà, évidemment, je suis tellement bête que j'ai oublié de vous dire où j'étais. Je suis à Fuerteventura, je suis en Espagne, les amis. Donc, c'est pas la première fois que j'y suis allée. Non, mais la fille, ça y est, elle peut parler espagnol, elle y arrive. C'est genre là, je crois, il y a tellement de vent, je crois, on va même pas m'entendre. Ça fait genre la deuxième ou la troisième fois que je viens ici, donc c'est plutôt pas mal. On vient d'arriver à l'appartement, vous excuserez ma tête qui est totalement horrible. Je suis en train de mourir de chaud, il fait genre 25 degrés, je suis en pull, j'ai totalement dégouliné là-bas dessous. Mais je voulais faire ce rond tour avec vous, enfin cet appartement tour plutôt, parce que c'est juste magnifique. Je savais que c'était beau parce qu'évidemment on l'a choisi avec les photos machin, mais c'est vraiment extraordinaire et je vais vous faire partager ça. Donc on commence. Donc là quand vous êtes ici c'est l'entrée. Et après ça se dispatche, pardon, ça se dispatche en plusieurs pièces. Donc clairement voilà, c'est comme ça. Donc on va rentrer par la cuisine. Donc là c'est tout équipé, micro-ondes, machin. Après vous avez le frigo qui est juste ici. Ensuite la table. La table est juste magnifique. Et les chaises, elles sont juste trop trop belles. Et après on arrive en fait sur le salon. Donc là vous avez un super beau miroir. On continue. Là il y a mes petites affaires. Vous avez le canapé, je trouve la déco qui est juste magnifique. Le lustre, il est trop beau. En fait tout est trop beau, je crois que c'est ça le problème. Après vous avez les petits cadres, je trouve qu'ils vont vraiment bien. Après bah, la télé, mais ça on s'en fiche. Et après on a le balcon. Oh, on va aller voir dehors la vue ensemble, j'ai pas encore regardé. Et voilà, donc là on donne en fait sur le lobby de l'hôtel, donc l'entrée. Et après si on regarde de l'autre côté là-bas, vous avez la piscine, mais on la voit pas. Donc voilà. Ensuite on va continuer, je vous emmène avec moi. Oh. Là du coup on va arriver. Focus. Donc là on va arriver direction la chambre et la chambre elle est juste magnifique. Donc là on arrive et là c'est juste trop trop beau. J'aime trop le détail des tables de nuit en verre comme ça. C'est juste super super beau.
Et après on continue. Moi j'aime bien, c'est les couleurs, je trouve ça trop joyeux. Et après de nouveau le petit lustre un peu design en vert, je trouve ça trop trop beau. Voilà voilà, après on va passer à la salle de bain. Elle est petite je trouve, mais elle est assez mignonne. Donc là on arrive, j'ai déjà posé mes petites affaires. Évidemment on a du papier WC carrément décoré. Nous étions très attendus apparemment. Voilà. Et après la douche. Ah, hydromassage et tout, je sens qu'on va kiffer cette douche. Voilà, et après, voilà, les petits bidets et tout. Mais ça, on s'en fiche. Donc voilà, écoutez, cet appartement tour est terminé. Je vous retrouve tout à l'heure. On va déballer nos affaires, manger un petit truc parce qu'on crève de faim. Et je vais essayer de me changer parce que tout ça ne ressemble strictement à rien. Vous êtes d'accord? On se voit tout à l'heure. Hello tout le monde, on se retrouve, il est bientôt... Attendez, j'ai complètement oublié de regarder l'heure avant de commencer ce vlog. Ce début de vlog est totalement nul. On adore. Alors, il est bientôt 8h moins le quart. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose, on est allé se balader dans le centre. On a fait quelques courses parce que du coup, on est dans l'appart et qu'on n'avait rien ni à manger ni à boire. Ensuite, on a fait une petite sieste parce qu'on était vraiment rétamés. Et moi, chaque veille de départ, je stresse tellement que je n'ai dormi que 2 heures. Donc évidemment, j'avais très très sommeil. Donc on a fait une petite sieste. Là, je me suis préparée, ou du moins j'ai essayé car le taux d'humidité est le même, je crois, que dans une forêt tropicale. Donc j'espère que cette coupe de cheveux va tenir, que ce maquillage va tenir. Et on va aller boire un verre. Et évidemment, qui dit Espagne, dit manger à l'heure espagnole, donc manger très tard. Donc je pense qu'on va aller dîner vers 22h. Donc c'est parti, on va aller faire un tour, je vous emmène avec moi. Et je ne vous ai pas montré ma tenue, donc ce magnifique collier. Si jamais vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur le retour en enfance, je vous le montrerai. Ma petite veste en jean qui vient d'un haul d'ailleurs que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, le haul des soldes. Ensuite un débardeur noir basique, un bas qui vient de chez Undies. Et là bien sûr on adore la classe, les claquettes. Parce qu'évidemment j'ai les pieds complètement brûlés parce que j'ai marché toute la journée et j'avais les pieds genre hyper gonflés. Donc on adore, je vais devoir changer de chaussures, je suis dégoûtée. À toutes. Bon ça y est, on est en train de manger, j'ai pris des bruschettas, ça a l'air juste trop bon. Et monsieur a pris du pain à l'ail. Beurre pop pop, j'aime pas ça, pas de bisous. Bon il m'a un bon appétit les amis. Ça y est tout le monde, on est rentré, on excusera cette coupe de cheveux totalement magnifique. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il est impossible de rester coiffé correctement. Je crois que je vais laisser tomber cette histoire de coiffure parce que c'est mort. Donc bref, je vais juste vous faire un petit mot. Donc là, on est revenu à l'appartement, on est allé manger au restaurant et je vous ferai un petit topo d'ailleurs sur les endroits où on est allé manger parce que c'était super bon. Après, le petit détail, c'est que c'est le restaurant de ma famille parce que oui, j'ai de la famille un peu partout. À la base, je suis italienne et arabe par ma maman, mais j'ai quand même de la famille en Espagne, donc on est allé manger une bonne pizza. Voilà, sur ce, bref, et je voulais juste vous dire un dernier petit truc. J'ai fait des achats aujourd'hui et je pense que ce n'est toujours pas fini. Donc si jamais, vous me direz, je vous ferai un petit haul. Donc aujourd'hui, j'ai seulement fait Bershka et demain, je vais essayer de faire un peu les autres magasins parce que ça valait vraiment le coup. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée et pour de nouvelles aventures à Fuerteventura. Bisous!